Hey, hey, bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bienvenue sur le stream de Market Access ce soir, un peu de Football Manager car vous avez voté pour Football Manager, j'espère que tout va bien. On va commencer par du Football Manager jusqu'à genre 21h30, 22h et puis on passera sur un autre jeu après. Je ne sais quoi encore, un truc que j'aurais envie de faire à ce moment-là. On verra ce soir un peu de fatigue déjà, mais je pense que ça ira mieux au fur et à mesure. Salut Noah, bienvenue. Bienvenue à tous. Mais on va faire du Football Manager. Je vais vous montrer tout de suite du coup. Je vais vous montrer tout de suite, pardon, du coup, les résultats que vous voyez ici. Donc, je vous ai proposé hier ce qu'on faisait sur Twitch. Eh bien, de 20h à 21h30, je vous ai proposé du American Truck Simulator, du Football Manager 2019, du Project Cars 2, ainsi que des jeux en commentaire. On m'a proposé Skyrim, on m'a proposé du RP. Donc finalement, ce sera Football Manager hein, qui gagne et qui gagne à vraiment beaucoup. Il y a eu 15 millions de votes, donc je ne m'attendais pas à autant. Merci à tous. C'est vraiment pas mal. 15 millions de votes et 40% de ces 15 millions de personnes ont voté pour Football Manager. Donc écoutez, on va leur faire plaisir. On verra si ce soir, ils sont présents sur le stream ou pas. 15 millions de votants. Vous imaginez, les gars, c'est ouf. Hein ah non, non, j'ai pas modifié le chiffre. Non, non, franchement, non. Non, j'ai pas modifié les chiffres. Je suis pas un modifieur, d'accord? Laissez-moi tranquille. Donc voilà. Voilà. Je vous rappelle que voilà, utip.io existe. En fait, j'ai pas de... Ah. Pardon, excusez-moi. Je vous rappelle que utip existe. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Bon, a priori, j'ai un problème de chat ce soir. Donc on va faire ça autrement. Ah bah oui, ça a marché. La terre est menteur. Oh, menteur. Tout de suite. Allez, on va s'y mettre. Alors du coup, j'arrive pas à récupérer le chat ce soir, mais c'est pas bien grave. On va le récupérer ici, puis on va s'y mettre tout de suite, je pense. Je regarde de temps en temps les publicités pour toi. Et ben ça, c'est bien gentil, et ça, c'est vraiment le meilleur viewer, donc faites pareil. Sinon, eh bien, je ne vous aimerais pas. On va peut-être laisser une petite musique en fond, car je crois qu'il n'y en a pas dans ce jeu incroyable, Football Manager. On va lancer le jeu tout de suite. Admirez tout de suite ceux qui sont sur PC. Que j'ai modifié eh bien, les panneaux qu'il y a en dessous. Donc vous avez plusieurs choses, Twitter, Discord, YouTube, etc. Donc je vous inviterai eh bien, à faire des petits tours dessus si cela vous convient. Voilà, pour vous abonner, pour regarder des pubs, pour faire ce que vous voulez, pour rejoindre le Discord, etc. Mesdames et messieurs, bonsoir. Football Manager, du coup, ce soir, on va commencer par ça. Avant de passer à autre chose, attendez-vous, est-ce qu'il y a... Ma bouteille d'eau. Je rappelle que la dernière fois, on a joué 1h30, 2h, on a fait un seul match, donc là, j'espère qu'on va aller un peu plus vite. Le jeu va charger tout ça, hein. Bien sûr, c'est un jeu finalement assez long, donc en fait on pourrait rester comme ça, oh yeah. Ne fais rien pendant 2 minutes, j'arrive. Ouais, je danse pour meubler. N'hésitez pas à faire un don pour ça. C'est très important. C'est très important pour ma condition physique, vous comprenez. Si vous ne faites pas de don, des chatons vont mourir. Non, je déconne. Bonjour à tous, bienvenue. En vrai, je suis en train de charger la partie. Et puis voilà. Oh, j'en peux plus. Donc, ouais, là, je suis en train de charger la partie. Dès que la partie est chargée, bah, je vous mets dans le jeu. Et puis, on s'y met avec le FC Vaux, mesdames et messieurs. Le FC Vaux en velin.
On a un match tout de suite là aujourd'hui, donc on est en régional. Hop, hop, classement. Voilà, on est en National 3, pardon, excusez-moi, pas du tout régional, on est en National 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, avec l'Académie sportive de Moulins, Insud-Foot, Bourgoin, Chambé, Clermont, Aurillac, Chamalières, Limonest, enfin bref, vous avez vu des équipes assez, assez extraordinaires. On a un match là aujourd'hui, donc on va aller voir ça. Il me semble que j'avais fait un peu, voilà, un peu tout, voilà. Donc on va y aller. On va aller disputer se disputer ce match, les amis. Alors, nous avons concédé 10 tirs sur 39 incursions dans 30 derniers mètres. Ok. Bon, on va s'occuper du briefing. Alors, un ou deux joueurs semblent avoir la tête ailleurs. Eh bien, écoutez, on va parler tactique. Ok, on va jouer 4-4-2 dans cette rencontre. Je pense que c'est la meilleure option pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On me follow? On me follow? Tu m'as pas follow back? Ouh, tu m'as follow? Ouh, oh yeah, merci Kassem. Ok, pardon. On a besoin de travailler une de nos mentalités aujourd'hui, nous allons donc l'adopter. On va rester sur ces consignes. Très peu de joueurs ont réagi, mais je l'ai. Hein? Hein? Oh! Voilà! Zindine! Je compte sur toi, Zindine. D'accord? D'accord? Consigne particulière sur Nils Finskranken. Non. Non. Bof. Je n'ai aucune consigne à donner pour l'instant. Ouais. Ça me va bien. Écoutez, voilà. J'attends beaucoup de vous. Voilà, j'attends beaucoup de vous, les amis. Salut Kassem, c'est le follow sur la télé. Ah bah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut Gavark, bienvenue. Vous avez mené le briefing tactique. J'ai pas l'impression que ce soit si bien passé. On va aller voir ça tout de suite. On va continuer. Du coup, salut, salut, Gavark. J'espère que ça va. Et ben allez, c'est parti. Boîte de réception. Qu'est-ce qui se passe? Caron termine d'observer Delgado. J'estime que Delgado sera une bonne recrue. Bon, on fera ça après. Hop. On va aller faire ce match face à Port Alban Clarence. Très très bien, arbitré par Thomas Léonard, excellent. Dans 3 jours, on joue face à Aix-les-Bains à l'extérieur, match amical, puis dans 10 jours, face à Chapelle de Guinchay. Donc écoutez, bah, c'est parti, sélection de l'équipe, on est bien. Bon, bah voilà, on va voir ça comme ça, passer au match, oui, mesdames et messieurs, oui, 2 équipes sont à l'échauffement. Ok. Premier match de soir, on va voir ce que ça donne et puis on va voir si je suis un fat tacticien ou pas. Allez. Il fait 35 degrés, on est à Vent-Velin, je sais pas combien il y a de personnes. Rachid Abdelkarim a surveillé aujourd'hui l'attaquant. Très très bien, et bah vas-y, go au vestiaire. Causerie d'équipe, on va pouvoir s'imposer. Alors. Une équipe comme la nôtre, on doit remporter ce genre de rencontre. Les joueurs n'ont pas eu de réaction particulière. Putain! Wesh! Agissez, les défenseurs, montrez-moi que vous avez votre place dans l'équipe. Hein? Les milieux! Je veux que l'on prenne le contrôle. Oh merde! Putain! Et les attaquants, eh ben, montrez-moi que vous avez la place. Ok, bon, bah, écoutez, une causerie qui finalement se passe plutôt mal. Ok, allez! Premier match de soir, bonsoir à tous, n'hésitez pas à me donner des conseils, on est avec le FC Vent-Velin. On n'a pas le coup d'envoi, on est en rouge, pour ceux qui se demanderaient, face au noir et blanc. On est sur un match assez chiant, hein, parce que c'est la National 3, il n'y a absolument personne dans les tribunes, il y a un gars là. A priori, ça c'est bien. Voilà, allez. Allez, bravo les gars, bravo, non pardon, pas consigne, excuse-moi, jouer. Je voulais dire, non, pas ça non plus, putain, annulé. Ah oui, allez, allez les gars.
Allez, allez les gars, allez les gars, allez, bah allez, pas de temps fort. Pas de temps fort, pas de temps fort. On possède pas, donc ça c'est chiant. Oh putain, il y a un tir non cadré de notre part. De notre part? Ah non, pas du tout. Ah oui, putain, merde, ils sont là mes joueurs, je suis con, trop sûr de lui, trop sûr de lui. Allez les gars, allez. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah, tir non cadré, ok. Alors, annuler, consigne. Allez les gars, montrez que vous avez du caractère. C'est bien ça, non? Allez, allez. Ah, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Allez. Corner. Corner pour le FC Vaux. Mais y a oui. Qui tire, c'est dévié pour Richard, Richard qui tire, c'est le but! Vincent Richard, excellent sur une passe décisive de Meaoui, donc Meaoui très bien, Richard gagne sa place dans l'équipe a priori. On va dire bravo, bien sûr, félicité. Ah, ça c'est un joli but, Meaoui. Alors Meaoui en fait, non, qui essaye de tirer mais qui n'y arrive pas, et Richard donc, qui récupère et qui lance une frappe absolument formidable, Vincent Richard, félicitations. Consigne équipe, non. On félicite, bravo les gars. Allez, on continue. On continue comme ça. Vincent Richard, merde, j'ai pas vu où il était. Parce que j'essaye aussi de découvrir quels sont mes joueurs. Nouveau corner, Meaoui qui récupère pour Kené en arrière. Kené qui fait la passe à Perro, qui essaie de tirer, c'est raté. Castex pour Abdelkrim qui centre, c'est un centre à rater. Kené qui récupère la balle pour Toiti, Toiti qui tire, c'est un arrêt, c'est incroyable, c'est incroyable. Richard, MCG, ok. Gonflé à bloc suite aux commentaires, et ben ça c'est bien. On continue, les amis, on continue comme ça. Allez, 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 ça c'est bien, on continue, allez. Attends, on va voir ce qui se passe. Richard, une passe, une touche bien placée. Toiti qui essaie de tirer pour Richard sur Kené qui envoie la balle à Toiti qui centre sur Abdelkrim. Mais non, c'est renvoyé sur Deland qui centre directement, centre un peu raté sur Richard qui fait une passe ratée de la part de Richard Russell. Allez les gars, ça c'est bien. Castex pour Meaoui, Abdelkrim, mesdames et messieurs, Abdelkrim sur Perro sur Meaoui qui fait une passe longue de l'autre côté du terrain sur Kené qui va centrer, Kené qui va centrer, non, Kené qui balance le jeu de l'autre côté à droite sur Perro qui centre un peu loin, la balle qui est dégagée sur Kené qui essaye de tirer, et Meaoui qui en prend la balle et c'est le but! Excellent! Excellent, excellent. Je vais vous dire un truc, mais oui, c'est un bon. On va évidemment féliciter cette équipe assez incroyable du FC Vaux, mesdames et messieurs. 2-0 déjà pour le FC Vaux en blanc. Mais oui, qui gagne vraiment, vraiment sa place dans l'équipe avec Richard, hein, bien sûr, les deux joueurs qui sont dans l'équipe. On regardera qui a marqué aussi sur le premier match. Ça, c'est bien. Allez les gars, allez, Perrault trop sûr de lui, Perrault qui va sortir je pense. Tout à l'heure, oh là là, Richard sur la touche, Richard sur la touche, à gauche sur des landes, Richard qui centre directement, oh là là, c'est repoussé, mais ah oui, qui va récupérer le ballon et qui remet la balle sur Richard, Richard qui va centrer, Richard qui fait la passe à Koné finalement, Koné qui garde la balle, qui relance sur Richard qui centre sur Toiti et c'est un arrêt. Oh putain, penalty! Penalty, Toiti qui va tirer le penalty. Attention, mesdames et messieurs, attention. Toiti, vas-y. Allez! 3-0, les amis, en une mi-temps. C'est incroyable. Pardon. Absolument incroyable. Ce soir, je suis malade. Et l'Olympique Lyonnais, eh ben, ce que j'en pense, c'est que on va être champion. Voilà. L'équipe est incroyable, le staff est incroyable, donc je suis vraiment très très content, c'est assez ouf. Ouais, non, vraiment, vraiment très content. Allez, bravo les gars. Yeah.
C'est bien. Donc l'OL, ouais, l'OL, super. On va passer du coup à la mi-temps. Mais on est en pause là. Tu vas placer un billet dessus du coup. Ah, je pourrais. Résumé première période, donc 3-0. Ça, c'est bien. Difficulté à garder la balle dans le camp adverse. Peu de coups francs et beaucoup de ballons dans la surface. Ok. Et bah, c'est très bien. Les matchs en cours pour l'instant ça ne nous intéresse pas. On va aller dans les vestiaires. Causerie d'équipe. Je suis très content sur cette prestation. Très bien. Parfait. Ils sont enchantés. Les défenseurs. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié la solidité de votre défense. Ça, c'est bien. Les milieux. Bah, écoutez, j'ai beaucoup apprécié votre contrôle. Et les attaquants. J'ai beaucoup apprécié votre travail en attaque, bien sûr. Fin de causerie pour l'instant. On débute la seconde période. J'aurais voulu faire un changement de ça avant de le faire un peu plus tard. Allez. Lamourou, pour Castex, là, on vient de relancer le match. On va juste changer notre milieu droit. Donc, j'ai dit qu'il est trop sûr de lui. Donc, Perrault, tu vas sortir. Alors attends. Comment je fais déjà les changements? Ah là, remplacer joueur. Alors. Ah bien. Ok. Si je les récupère dans la main. Non. Ah yes. Hop. Kevin Colley. Qui va être plutôt en ailier et en tâche soutien. Yes. On confirme le changement jeune ailier. Très bien. Parfait. Allez. On se relâche pas. On y va. On y va, on y va. Bon, alors, attends, le prochain renfort. On a des attaquants aussi qui sont trop sûrs d'eux. On a notre goal qui est trop sûr de lui. Bah, pour l'instant, c'est vrai qu'il peut se permettre de rester trop sûr de lui. Allez, on reste concentré. Hop, concentrez-vous. Voilà, désemparé. Ouais, bon, d'accord. Toiti qui change pas, mais Toiti, putain, je me demande si on va pas le virer. Enfin, le virer là, le faire sortir. Ah, alors attends. Vincent Richard est épuisé. D'accord. Et bah oui, on va te sortir pour. Non, pardon. On a dit Vincent Richard. Merde, je suis con. Alors, non, c'est là. Hop, Vincent Richard pour Boris Bouhandry. Donc en milieu axial, c'est ça qu'il veut. Et donc porté sur l'attaque. Donc on va le sortir. Ok. Attention, on peut prendre deux buts. Allez, on reste concentré, les amis. Allez, allez. Müller. Pour Zanoli qui va faire la passe à Müller. Müller qui fait la passe. Il faut falloir arrêter. Allez. Il va falloir les arrêter. Alors. Non, on les arrête pas. Ah bah ça, c'était sûr. Hein. Putain. Roger Glaz. Il ira bien, Roger Glaz. Roger Glaz, il a l'air bien. Roger Glaz, bon, on ira voir ça après. Ah, ouais, on a pris un but, les amis. On a pris un but. Et puis d'une manière fort jolie. Belle cohésion d'équipe. Et du coup, Zanoli qui fait la place à Giorgetti. Qui fait la passe à Glads. En fait, c'est Giorgetti qui est plutôt bon. Attends, vas-y, juste on va acheter un œil. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? T'es un milieu central, ok. Et ben, on ira voir ça. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde aussi la condition physique des joueurs. Par exemple, on a Kone qui doit sortir parce qu'il n'en peut plus. Alors. Absolument pas ça que je veux. Là.
Hop, ailier défensif en défense, du coup. On confirme, excellent. Parfait. Parfait, parfait. Ah. Allez, 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 consigne. Ouais, montrez que vous avez du caractère, les amis. Bianchi qui tire, ça va être pour nous. Allez, ça c'est bien pour toi, Toiti. Toiti qui va tout seul. Toiti, notre numéro 10, il est devant les cages. Oh putain, il a trop attendu ce débile. Bah, il a essayé de faire une passe, mais il a raté. Mais ah oui, putain, j'adore. Collet, tueur Toiti. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. À toute noire. Toiti, magnifique. Collet, magnifique. Et du coup, j'ai bien fait de le faire rentrer. Et Toiti, incroyable, quoi. C'est dommage qu'il est trop attendu, mais il a essayé de faire une passe, et ça j'apprécie, tu vois, il a essayé de centrer. Et Collet, sa passe est absolument incroyable, quoi. En fait, c'est Collet qui est absolument incroyable. GG. GG à lui. Collet, j'aime ce que tu fais. Et il est rentré, ok. À la place de qui? 51. Il est à 6-8 pour là, 6-6. Là, indifférent. Allez. On va. C'est vrai qu'on les a pas félicités, donc on va les féliciter. Ça ira mieux. Ah putain, j'aurais peut-être pas dû les féliciter. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Tir raté. Tir complètement raté. Gonflé à bloc. Et ça c'est bien. Ça me fait plaisir. Bah ils font un bon match, hein, les gars. 4-1. Remplacement rapide sur Castex, pardon. Pourquoi pas. Alors. Tac. Tac. En défenseur central. Yes. Plutôt en défense. De toute façon, on a le droit de. On est en match amico, donc on peut faire absolument ce qu'on veut. Boudrandi. Sur Richard. Allez. Allez, on a deux Richards du coup dans l'équipe. Ah oh, putain, c'est beau. Pouf. Incroyable. Incroyable ce but, les amis. Sur la barre et tout, j'adore. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il se passe des jolies choses. Il se passe vraiment des jolies choses. Je suis très content de ce match. Alors, eux, je sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Mais, attends, vu l'ensemble, compétition. Ah ouais, ils sont en régional suisse, donc forcément, ils ont un niveau plus faible. Yes, 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 bien sûr. Gérard Castex pour Pierre-Emmanuel Barrière. Pourquoi jeune défenseur central, il a quel âge le gamin? Ah, il a 20 ans. Ok. C'est vrai qu'on a une équipe très très jeune. Abdelkrim qui tire et. Oh là là, dernier but. Pour Toiti, qu'on a fait un match énorme. Clairement. Clairement, clairement, clairement. J'adore. Parfait quoi. Parfait, parfait. Regardez ça. Hop, tout est parfait. La façon dont le corner est tiré. Tout est ouf. Bien sûr, c'est une félicitation, hein. Hop, merci beaucoup, les gars, pour ce match. 9,6, 3 buts dans le match. Ça aurait été un beau match. Abdelkrim qui voudrait être remplacé. Donc, on va le remplacer, effectivement. Ah ben non, on va pas du tout le remplacer. Parce qu'on n'a pas de joueur pour le remplacer. Putain, quelle tristesse. Bon, ok, je suis content. Je suis content, je suis content, les amis. Hop là, il y a Abdelkrim. Nouveau corner. Et il nous faudra un autre attaquant, effectivement. Voilà, ils sont épuisés, les gars. Ils sont épuisés, mais bon, si ça, on s'en tamponne. Regardez ça, il y a des notes incroyables. Kevin Nicolet à 6-9. 6-7, 6-9. Bah, lui, il n'a pas joué assez longtemps. Donc, ok, et bah, vestiaire, bien sûr, causerie d'équipe. Si vous jouez comme ça, en match en jeu, vous saurez ce que je veux. Défenseur, hop, bravo. Bravo, bravo pour le travail défensif, les milieux, j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, l'attaque. Hop, ça a été incroyable. J'en ai stressé un.
Mais bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Nickel. Allez. Victoire du FC Vaud, bien sûr. Alors, on va pas lire ça. Michel Delgado, libre de tout contrat, évolue actuellement à un niveau équivalent. Ça va être une bonne recrue, ok. Et bah, qu'est-ce qu'il fait, Michel Delgado? Il est défenseur gauche. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Défenseur gauche. On en a déjà un. Comment ça, c'est sans contrat? What? Ok, bon, d'accord. D'accord. Arrière latéral de 20 ans. Pourquoi pas, hein, proposer un contrat, c'est un contrat gratuit. Donc, vas-y, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer ça là. Horrible ça. On va lui proposer 500 pour l'instant. Hop, hop. Et on lui propose donc les conditions 625. Ah, bien. 550, je pense que ça peut être bien. Hop. Est acceptable. Ok, très bien, très bien. Et bah, vas-y. Vas-y, vas-y, Michel. Ah merde, j'ai continué alors que je voulais voir. Aller faire mon shopping là au FC Port-Alban, Gleteren. Parce que de toute façon. Toute façon, par rapport à mon effectif, tu vois, on a quand même peu d'effectifs. Et un attaquant, c'est vrai que ce serait bien. Alors, paf, paf, fait péter la carte bleue. Bah, il va falloir, hein. Il va falloir, il va falloir. Qui c'est qui m'a plu là-dedans? Où est-ce qu'ils sont? Dis donc, dis donc. Tous les joueurs. Putain, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Équipe première, putain, mais qui a marqué? Je crois que c'est lui là. Giorgetti. Ah, lui, c'est le milieu, effectivement, il me plaisait bien. Comment je fais pour te demander un truc, frère? Ah, il est indisponible, mon recruteur, mais putain. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Transfert. Clause 0 à vendre ou à acheter. Ok. Michel Delgado qui est en train d'arriver. Là, ouais, bon. Offre rejetée. Alors, joueur convoité, on n'a personne. Liste des joueurs d'avenir, on n'a personne. Joueur indésirable, on n'a personne. Ok. Ok. Et sur l'observation, j'ai personne, les amis. Et surtout, j'ai un recruteur nul à chier. Là, faudrait que je réfléchisse à mes entraînements, t'as vu. Surtout qu'on a un problème sur. Ok, très bien. Ok. Bien, on va retourner voir le FC machin. Alors. Tum, 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 tum. Ah, mais c'est des joueurs amateurs, c'est pour ça que je peux pas les recruter. Laissez tomber. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas vu. Il faudrait aussi que j'avance là. Ok, très bien. Toi, tu veux être arrière latéral. Diacumana, très très bien. Et tu es arrière latéral, je pense. Tactique. Par rapport d'équipe, pardon. Tactique, j'ai dit tactique. Ouais, regardez, il est défenseur latéral. Donc il est fort satisfait. On va regarder un petit peu justement cet effectif sur les 5 derniers matchs. Voir un petit peu, bah, alors déjà, on va faire jouer les deux qui n'ont pas joué.
Rachid Baudin et Steve Chartrier. Parce que voilà, donc on va faire jouer d'abord Rachid Baudin. Hop, voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et maintenant, et ben, alors Kevin Collet, j'ai très envie de le faire jouer effectivement parce que il m'a beaucoup plu. Donc on va le tester un peu plus. Excellent. Et puis pour l'instant, on va rien toucher. Ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'il me dit Steve Chartrier ne devrait pas se charger de tirer les coups francs. Bah vas-y, on va changer ça. Alors. Yes, yes, et ben voilà, c'est fait. Chartrier Steve. Où est-ce qu'il est Steve Chartrier, putain, là. En fait, c'est Steve Chartier. Ah ouais, il y a 6, putain, ils sont tous nuls, les mecs. Bon, vas-y, ok. Abdelkrim, il va, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va jouer en match amical contre le ex-football club. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et ouais, il faudra vraiment que je m'achète des joueurs. Putain, il y a 6 semaines. Tac, tac, tac. Alors, transfert conclu. Marché des transferts. Arrivé. Ah ouais, mais tout le monde... Tout le monde avance, sauf nous, j'ai l'impression. Ok, et ok. C'est quoi ça? 12e en Régional 1, bof. Et ça, premier en Régional 1. Alors, Français de 15 ans, milieu. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que mes effectifs... joueurs, tous les joueurs. Parce que c'est vrai que je pourrais en faire monter aussi. Voilà quoi. Attendez, attendez. Ouais, non. Joueurs prêtés, non. Tous les joueurs. Là, c'est mon effectif. Normal, quoi. Et tous les joueurs. Donc, en fait, j'ai d'autres joueurs. Tu vois que je pourrais... que je pourrais faire monter, genre Steve Aguirre par exemple, qui est un buteur. Mais bon, le but, c'est pas ça. Le but, ce serait plutôt d'aller équipe, voilà, équipe réserve. Ok, voilà, ils sont là. Et U19, mais j'aimerais bien qu'ils fassent un peu plus de matchs. Sur la saison 17-18, en fait, j'aimerais bien voir. Tac, 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 tac. Yes, non, c'est pas ça que je veux. Année 2017-2018, National 3, Auvergne-Rhône-Alpes. Ancienne position. Alors. Contrat amateur sur Kevin Dumont. Qui serait plutôt milieu droit. Et là, j'ai déjà du monde. Un sud foot. Là, mes chéris. Oh putain. 25K. Stade carrière. 21 apparitions. 1 but. 59 apparitions. 4 buts. Putain, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Là, on va chercher un attaquant. Tac, tac, tac. 17, 19, 24 apparitions. 8 buts. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. 50 apparitions, 8 buts, c'est moins bien. Ça, c'est pas trop trop mal. Ah, mais c'est absolument pas un véritable attaquant comme je chercherais. Alors. Ouais, moi, c'est ça que je veux. 3 buts en 13 matchs. Ça, c'est pas mal. Ce brave Jordan, ça, c'est pas mal. On va l'observer. Tac, oui. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas. Putain, qu'est-ce que c'est que ces joueurs pourris là. Théo Colomb, buteur, mais il a pas marqué une seule fois dans sa vie, ce mec. Aurélien Carpajon. Alors. Non. Bof.
Ah, c'est comme ça qu'on va faire. Hein. FC Chamalières. Guillaume Marquès. Mais bof. Et Archimède Colo, bof. Putain, il a rien fait du tout. Limonest. À Limonest, qu'est-ce qu'on a? Non, zéro apparition. Et non plus. Ok. Rumi, c'est à côté de chez nous en plus. C'est pas très loin, mais il n'y a rien. Lyon-Duchère, bien sûr. Lyon-Duchère réserve. Alors là, il y aurait moyen d'avoir des choses un peu meilleures. Mais non, mais même pas. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Mais il a 32 ans. Et ça me plairait bien. Donc vas-y, on va faire ça. On se regarde deux nouveaux joueurs, du coup. Puis on va essayer de se trouver des petits joueurs comme ça. Genre à Fugue-Bois-Guillaume. Qu'est-ce qu'on a à Fugue-Bois-Guillaume? Ils sont en Régional 1, pardon. Donc c'est un peu bas. Récupératif, entraînement de la semaine. Alors, on a fait 4 entraînements général. Normal, pas de blessure, est assez faible à ce stade de pré-saison. Ah! Ok, félicité. Tac. Hop, hop. Très très bien. On va y critiquer Meniaoui. Allez, très bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. La priorité des domaines avant la rencontre au collectif. Excellent. On va modifier l'entraînement parce qu'effectivement, il nous faudrait un truc un peu plus punchy. N'est-ce pas? Donc on va faire ça. Alors, on va commencer par une autre activité sur l'esprit d'équipe. C'est important. Yes, et on va faire ici une préparation sur les tactiques de match. Confirmé. Très très bien. Là, on va faire... On va faire un travail sur l'endurance. Excellent. Et on va travailler au général. Et bah. Alors, un autre entraînement tactique, je pense, c'est bien. Et puis voilà. Très très bien. On va juste aller voir le ex-football club qui est premier en régional 1. Mais parce qu'il commence par un 1. Non, c'est pas ça que je veux, pardon, excusez-moi. Le ex-football club, qu'est-ce qu'on a dans l'ex-football club? On a lui, qui est un goal, donc on n'a pas besoin. On a lui, 28 ans, buteur. Ah! Assez peu de matchs finalement. 41 apparitions, il a fait 3 buts. C'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Et ben allez, on continue! On continue, on continue. On a l'équipe de demain, donc ça va être ouf. Alors, très bien. Tout le monde fait des approches pour Burel. 20 fois sur la 133. Ok. Et bah, on va s'occuper du briefing. Bonjour tout le monde. On va parler consigne partie. On va faire tac, tac, tac. Nous sommes favoris. Voilà, très très bien. Et on va jouer en 4-4-2 aujourd'hui. Toiti. J'ai rien à redire à mes joueurs parce que pour l'instant ça va. Sofiane Marcelin qui est défenseur. T'es rien du tout. Effectif, on s'en fout. Pour l'an de jeu, on s'en fout. Et bah, c'est la fin de la réunion, merci. C'était un brief tactique assez incroyable. Donc, on va jouer face au ex-club. Ah, excellent. Et bah, Michel Delgado, on fera ça. Bon, on va faire ça maintenant. Donc, il y a un arrière latéral accepté. On va voir les finances, bien sûr. Salle de général, donc là, ça va. Bénéfice, perte, ça va pas. Revenu, ouais, ok, dépense. En fait, je vois le budget des salaires. Ok, budget salarial, 15 000 et je dépense 8 000. Donc tout va bien. Michel Delgado, transféré gratuitement au FCO. Donc ça nous fait un petit défenseur en plus. Gratos, donc j'apprécie, je vous rapproche un match. On va demander à Collet
de l'accueillir. Ouais. Tac. Ok. Et bah, très bien. Merci, Colet. Et on va l'envoyer suivre une formation linguistique intensive. Histoire qu'il parle mieux français. Très bien. Aix-les-Bains FC. Et bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai pas vu combien de billets vendus, mais je crois que c'était 20. Qu'est-ce qui se passe là sur Collet? Bah, devient Ellie en soutien et tout va mieux. Non? Hein? Oui, très bien. Parfait. Parfait, parfait, les amis. Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que ça vous plaît. Si vous ne vous plaît pas, bah, j'espère que vous m'aimez quand même. Voilà. Alors, M20, bien sûr. On va passer au vestiaire, évidemment. Encourager les joueurs et bah, les causeries d'équipe. Écoutez, les amis. Prenez du plaisir sur le terrain. Les défenseurs, intraitables en défense. Oh putain, sérieux. Bah oui, puisque j'aurais dit reste cool. Pas de pression ce soir et prouvez-moi que vous méritez la place en équipe. Pas ouf. J'espère qu'on va gagner. Ils sont régionales, donc j'espère qu'on va gagner. Allez, Aldecrim pour l'amour qui fait la passe à Castex. Castex qui conserve la balle, je sais pas pourquoi. Sous pression. Comment ça, sous pression? Collègue Kevin, mais oui, passe en avant pour Aldecrim, qui court sur le côté droit, qui centre et malheureusement personne n'a retombé. Si Toiti est là, Toiti qui récupère la balle, bon contrôle de la part de Toiti qui renvoie sur Kenek, qui garde sur Toiti qui renvoie sur Kenek, qui fait un centre à rater, et c'est malheureusement récupéré par les joueurs aixois. Ok. On reprend. Du coup, bah, j'ai bugué. Lamourou, grande passe pour Abdelkrim, il se présente tout seul. Il est tout seul. Et non. Hors-jeu, mesdames et messieurs. Hors-jeu. Allez, portez-vous à l'attaque. On est où? On est là. Allez, les gars, on se porte à l'attaque. C'est bien. On danse, on regarde le match, bien sûr. On a la possession pour l'instant face à Aix-les-Bains. On est moins agressif, a priori, qu'en première, mi-temps. Hein. C'est terrible. Allez, les gars. Allez. Ouais, ça, je peux choisir des joueurs et les cibler. Dégagement de la part. Dex sur Deland directement. Deland pour Lamourou qui fait la passe. Qui fait la passe à Meaoui pour Richard. Richard qui renvoie sur Meaoui. Meaoui qui tire loin sur Toiti qui tout seul, qui se présente seul face au gardien. Qui tire et c'est un tir raté. Mais quel connard. Mais putain, mais Toiti, je t'ai. Hein, je t'ai habitué à mieux. Allez. Enfin, tu m'as habitué à mieux plutôt. Deland sur Toiti. Toiti qui rate son contrôle. Qui envoie la balle sur Kenet. Kenet qui part devant sur Meaoui sur Kenet qui garde la balle en main, qui avance, passe longue, ça tombe sur Thierryon, mais Abdelkrim sur Collet, Kevin qui va centrer, ce brave Kevin qui centre sur Kenet directement, Kenet qui tire, et c'est arrêté, les amis, c'est arrêté, incroyable. Allez les gars, j'en veux plus, allez, on en demande plus. On en veut. On veut. Collet qui a la balle. Collet qui avance tout seul. Il passe la défense. Il tire de loin. Et c'est un tir raté. Tout le monde tire n'importe comment. Donc, voilà. Demandez-en plus, quoi, les gars. Qu'est-ce que vous faites déjà ouais, tir à vue. Bah, ça, si. Arrêtez de tirer à vue. Parce que, a priori, ça ne vous réussit pas de tirer à vue. Allez, on attend le prochain temps fort, du coup, on regarde un peu les stats. On est quand même à 4 tirs droit cadré. Oh là, le bon coup franc pour X qui marque.
Allez, reconcentrez-vous. Montrez que vous avez du caractère, ça c'est bien, ça. Ah, il est beau, hein. Il est beau, le gardien est complètement battu. Il peut rien faire. Allez, montrez que vous avez du caractère, les amis. Castex qui envoie une passe longue sur Abdelkrim, qui conserve le ballon, qui centre sur Toiti. C'est raté pour Toiti, mais bordel de putain de merde. Allez les gars, récupérez-moi cette touche là, sur le côté gauche pour Mokia pour Sali. Sali qui conserve et qui renvoie la balle à Mokia, les joueurs avec soi, qui font une passe longue, mais non, ce sera récupéré tranquillement par Diakubama. Jordi sur le côté qui renvoie sur Castex qui renvoie sur Diakubama. Meaoui qui tire sur Abdelkrim qui se présente tout seul devant le goal. Il va falloir tirer et il va falloir se sortir les doigts. Voilà. Hein? Allez. Putain, mais tout est raté là aujourd'hui. C'est ouf. Allez, Toiti là, il va falloir marquer. Qu'est-ce que c'est que cette caméra de merde déjà? Hein? Allez là! Concentrez-vous, bordel. Concentrez-vous sur les tirs, hein. Anxieux, bah oui, anxieux, faut se concentrer, mec. Putain. Allez, carton jaune, en plus, on fait des fautes. Ah là là, nous gouffrons. Le même que tout à l'heure, cette fois-ci, c'est arrêté. Non, pardon, cette fois-ci, c'est sorti. Allez, soyez pas indifférents, les amis. Ouais, vas-y, appuie moins tes tacs. Calme-toi, Diakubama, calme-toi. Reste calme. Toiti, concentre-toi. Merde, c'est pas ça que je veux. Consigne. Concentrez-vous. Choisir joueur pour consigne. Ouais. Je peux en choisir plusieurs ou pas? Yes. Allez. Concentrez-vous, on attaque là, vous avez pas réussi un seul tir. Désemparé, mais sois pas désemparé mec, t'es nul. Allez. Putain, c'est vraiment terrible. Mais oui, qui fait un match extraordinaire. Bah c'est nul, ouais, ça va gueuler. Là, ça va bugger au vestiaire. Je vais leur dire. On dirait pas une équipe qui veut s'imposer. Voilà. Vous êtes capable de faire la différence. Au milieu, écoutez, je suis pas satisfait de votre travail. Donc allez-y. Et les attaquants, vous avez manqué de réussite. Alors, je suis pas du tout satisfait de qualité, de votre finition d'ailleurs. Écoutez, voilà. Après, qu'est-ce que je fais, moi? Hein? Qu'est-ce que je fais, moi? Je peux sortir personne, j'ai pas d'attaquant. Bon, voilà, je suis obligé de... de vous subir, les gars, alors que vous êtes des glands. C'est vraiment terrible. Terrible. Allez! On s'y met, là, cette fois-ci. Je peux pas changer d'attaquant. Donc c'est vraiment... vraiment terrible. Alors, où est-ce qu'ils sont mes joueurs? Toi, t'es fatigué et tu fais pas un bon match. Donc Vincent, je vais te sortir. Oh, j'ai cru qu'il partait en attaque. Allez. Faites passer sur un jeu plus court, effectivement. Et arrêtez-moi ces joueurs. Et que soit, les gars, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit quoi? J'ai dit Richard, tu sors. On va faire un remplacement tactique. Hop, à la place de Richard, du coup. Boris, écoute, ouais. Mets-toi, s'il te plaît, en milieu axial et passe en attaque complètement. Yes, et consigne d'équipe, du coup, on va retirer à vue. Yes, ok.
Allez, montrez que vous avez du caractère, les amis. Et ça va. Allez, nous avons fait pressing. Merde, j'ai pas vu. Très bien, ils sont gonflés à bloc. Ça, c'est bien. Allez, les gars, on veut de l'action. Putain, c'est vraiment ouf, quoi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Allez, on passe sur un positionnement plus offensif. On va sortir Kené. Donc, on va sortir Kené. On va mettre un toit à la place. Yes, en ailier défensif, du coup. Et en défense. Et on va changer de milieu droit aussi. Kevin, tu sors aussi. Ailier défensif, donc double ailier défensif. Alors que j'aurais dit d'attaquer, hein. C'est un peu chelou, mais voilà. Au moins, on fait tourner tout ce beau monde. Double changement du coup. Kenny et Collet qui sortent pour Richard et Perrault. Donc voilà. Putain, Boudonri qui reçoit un avertissement là. Allez! Allez! Les gars! Allez! Il faut y aller, il faut réussir. Allez, les gars. Encouragé, gonflé à bloc. Le goal. Oh putain, ça c'est ouf! Quel tacle! Quel tacle! Ça, c'est bien. Allez. Ça, c'est bien. Belle récupération de balle. Mais oui, mais oui. Qui aura la balle sur Perrault. Perrault. On se concentre, c'est bien. Voilà, effectivement, je cours. Par contre, il va falloir y aller. Allez, un peu plus long. Du coup, Abdelkrim qui tire. Oh là là, quel arrêt! Quel arrêt! Quel arrêt! Et c'est Abdelkrim qui récupère le ballon. Et non, et non, et non. C'est finalement la défense. Mais quel arrêt! Quel arrêt, les amis! C'était une belle action que j'ai appréciée. On va sortir Castex. Sortir Castex qui fait pas des très bons matchs et on va faire entrer Pierre-Emmanuel Barrière à la place de Castex. Je pense que ça pourrait être pas trop trop mal, les amis. Parce que là, on va perdre un vieux zéro face à une équipe de régional. Donc, allez, portez-vous à l'attaque, je vais leur dire. Ça me paraît bien. Allez, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, les amis. Il faut s'y mettre. Mais oui, qu'on aura fait du coup tout son match. Merde, putain. Réville, donc qui tire les 6 mètres. Allez, récupère-moi ce ballon. Barrière, si tu veux entrer en équipe première. Baudin, ouais, je vais trouver une solution dans une heure. Max P, pas de problème. Merci Noah de me le dire, à tout à l'heure. Ok, mais oui, qui récupère le ballon pour l'amourou. L'amourou, l'amourou qui ne fait pas l'amour. Et qui envoie la balle à Deland qui ne vit pas en forêt. Oh là là, l'humour est là. Boudandry pour mes... Ah oui, Boudandry qui fait une passe longue en direction de Toiti. Toiti qui se présente seul. Et il serait bon temps de centrer. Et c'est le but, les amis. 1-1, voilà ce qu'on veut, putain. Voilà, ça c'est bien, bravo. Bravo, bravo, c'est très belle passe de Boudandry. Et du coup, Toiti qui marque, qui bat le gardien. Donc, vraiment, très content. Félicitations. Ça, c'est bien, les gars. Boudrandi, belle passe. Donc, on va certainement le faire rentrer en équipe première aussi avec Barrière. Boudrandi et Barrière. On va. Je crois que je peux noter des trucs qui partent. Je sais pas où. Là, 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 là. Allez, portez-vous à l'attaque.
dans les dernières minutes du match. On pourrait gagner. Et non, ce sera dans les bras du gardien. Donc ce sera une fin de match 1-1. 1-1, les amis. Ça reste honorable. Honorable, honorable. Écoutez, c'est pas trop mal. Diakubama, félicitations. Qui fait enlever avec Barrière. Barrière qui passe en rentrée vers son gardien, vers Baudin. Non, franchement, pas trop mal. Du tout. Ok. GG, les gars. Excellent. Excellent, excellent. Bon, bah écoutez. 1-1, ouais. Alors, ça, c'est vrai que. Voilà, ce patron sévère, c'est un résultat difficile à encaisser. Ok. Ouais, ce match était intéressant comme préparation à la première rencontre de la saison. Vous avez manqué de réussite, mais c'était bien essayé. Pareil au milieu. Attaquant, pas content de la finition. Donc, je leur dis, parce que c'est clairement un manque de finition, hein, qui fait qu'on ne s'en sort pas. Un nul arraché par Van Vlaar, ouais. C'est terrible, terrible, mesdames et messieurs. Terrible. Alors, par contre, j'ai dit qu'on allait faire plusieurs changements. Barrière à la place de Castex. Yes. Et on a dit Sylvain Richard à la place de Kenney. Je sais pas pourquoi il me dit sans contrat, tu sais, alors qu'il a un contrat, quoi. Et donc, dans les tactiques, ça donne quoi? Ça donne que Sylvain Richard, il est plutôt axé sur la défense. Mais ah oui, je peux rien en faire de plus que ça. Et Barrière, donc on va le laisser en stopper, finalement. Écoutez, très content, quand même. Parce qu'on découvre des joueurs, on découvre des choses. Donc, c'est assez, assez intéressant. Alors, j'aimerais bien acheter des joueurs. Mais bon. transfert. Emploi proposé. Observer. Putain, j'ai rien. Et il me faut absolument un attaquant ou deux. Donc on va essayer de s'en. Peut-être de voir. Je sais pas. Alors, en fait, il nous faut un nouvel attaquant. Dans tous les cas, il nous faut un nouvel attaquant, les amis. On n'a pas le choix. Il nous faut un nouvel attaquant. Tiens, pour le FC Basel. Ah oui, d'accord. Rapport de pré-saison. Bourgoin Jallieu. Une arrivée, un départ. Très bien. Une arrivée, un départ. Ok. Pélin. Qui es-tu, Pélin? Attaquant pivot. Pourquoi pas, il a fait une bonne avec Chambéry, ça s'est bien passé. On va lui faire une offre de contrat. Une offre de transfert proposée. J'ai un budget de transfert à 24, donc on va proposer 10. Hop. Attends, quoi? Voilà, on va proposer 10. Hop. On va proposer 5. On verra comment ils réagissent. Proposer les conditions. 55! Ouais, j'ai. Non. 55, les frères. Non, mais 55. À toute, Guévarc, bonne réunion. Merci d'être passé, ça me fait plaisir. 55, n'abusons rien non plus, 55. Alors, programme d'entraînement. Ok, donc ça c'est bon. Esprit d'équipe, tactique de match, endurance tactique, très bien. Résumé des conseils d'entraînement. Meilleur rôle utilisé. Ok, ça c'est bon. Castex, ok. Zindine Lamrou, il est où Zindine Lamrou? Ouais, ok, bah, c'est parfait, on va dire oui aussi. Tireur désigné, mais doit beaucoup s'améliorer. Ok, et débord de son adversaire, très bien. C'est fait, c'est vendu. Ok.
D'accord. Eux, ils sont en série B, Robert. Ah oui! On aurait perdu de toute façon. Par contre, du coup, ça veut dire que on va avoir un trou. On va avoir un trou. Bon, ok. On aurait pu voir pour. Ok, entraînement de match. Équipe, ouais, c'est bien ça. C'est bien. Parfait. Parfait. Je pense que c'est bien, effectivement. Ils s'entraînent à faire un match, quoi, tout simplement. C'est très bien. C'est très bien. Ok. Alors, championnat en détail. Est-ce que, en fait, je pourrais pas avoir la France plutôt? National 3, yes. Là, on va mettre la National 3. Là, on va mettre juste au-dessus. Régional 1, non. On va mettre le classement national. Il n'y a pas la National 2, c'est vraiment très bizarre, mais ok. Pourquoi pas? Et donc là, on va mettre la Ligue 1, bien sûr. Voilà, parfait. Ce sera mieux. Esprit d'équipe, tactique de match, endurance tactique. Je pense que c'est bien. Ah, Burel qui accepte enfin une place de responsable des kinés à 26 ans dans notre équipe. Donc enfin, les amis, c'est ce que nous souhaitions. Donc je suis très heureux. Et j'espère que vous aussi, vous êtes très heureux en général. Dans votre vie, quoi. Voilà. Voilà. Hop là. Alors. Alors. Match amical dans 4 jours. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Félicitations. Félicitations. On a enfin retrouvé un TU. Qu'est-ce que c'est ça? Sixième en régional 1, ils ont pas débuteur eux. Pourquoi pas? Bon, il fait un contrat, on va lui proposer un contrat. Ah, il veut pas de moi. Il m'a envoyé péter, les amis. Et là, j'ai un autre buteur qui est un junior de 15 ans seulement. Pourquoi pas? Un mec 93, c'est bien ça. Offre de contrat pour lui proposer un. On va proposer 500, faire une offre. Oui, ouais, j'aurais pu négocier avant. Mais non, j'ai fait une offre. Choix des primes collectives. Alors, le repré... Attends, joueur du FC Vaud. Ok. On ne fait rien pour l'instant. Alors... Tac. Là, on va rester à normal. Et là, on va passer à élevé. Donc, ça me paraît bien. Hop. Une somme de 4,2 à se partager selon leur temps de jeu si le club emporte. Ok. Très bien. Parfait. C'est bien. J'aime bien. J'apprécie. Indisponible. Donc voilà. Et bientôt on va changer. Pour la semaine d'après, on va travailler certains trucs, on va travailler l'attaque, je pense. Alors. Ce qui s'est occasionné. Défenseur central, j'en ai déjà, donc bof. Bof. Peu d'intérêt. Peu d'intérêt, donc finalement, non. Je ne souhaite pas pour l'instant.
Quelle putain de tristesse. Salut, Tovin, Tovin QC, Tovin Main, Tovin Québec, du coup, c'est rigolo comme pseudo. Bienvenue à toi. On entraîne le FC Vaux en National 3 en Auvergne-Rhône-Alpes et on va voir ce qu'on peut faire au long de cette saison avec. Écoutez, ces braves joueurs, François Campo. Bof. Bof, bof, bof. Le FC Vaux. Actapo, alors. Ok. Ne veulent pas vendre. Écoutez, on va faire une offre. On va faire une offre à 7500. Done. Yes. Ah ouais. Non. C'est trop, je veux bien monter à 10 500. Tu peux recruter un Canadien pour le kiff, bah pourquoi pas. Donne-moi des noms et vas-y. 10 500 j'ai dit. 1 million. 10K. 25. J'ai pas envie de passer tout mon budget. C'est quoi, on va faire une offre à 18 et en arrêtant de négocier avec eux. Couant au poste de milieu axial, ce serait une recrue de premier ordre. Ok, intérêt pour le transfert, aucun intérêt. Et allons voir cela, faire une offre. À 9000, écoutez, je vous fais une offre à 2000. Quel budget maximal très très bas? On est en National 3, donc c'est. Tu vois, mon budget de transfert est à 22 000 euros. Récapitulatif d'entraînement, Lamourou, félicitations. Très très bien. D'accord, il s'en bat les couilles. Rachid, pas ouf. Abdelkrim, allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tac, tac, tac. On continue. Ah ouais, court, très très court budget. Si ça pouvait être un joueur libre, voilà. On va voir dans les équipes jeunes du Canada. C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. Alors attends. Comment je vais faire pour chercher ça? Page d'accueil, certainement. Ah. Alors, Amérique du Nord, tac, tac, on va chercher donc, moi je veux voir le Canada les gars, barre de recherche, où ça, ah oui, bah oui, Canada, alors, Canada, yes, tac, type pays de Canex. Très très bien. Et du coup, on pourrait effectivement regarder l'équipe U19 et prendre Vincent Lamy. Putain, c'est un peu cher. Mais pourquoi pas. On pourrait faire une offre à 10. À 10K, et on va même pas négocier, on va faire une offre à 10K direct, et on verra ce que ça donne, mais c'est pas mal. Ok, les amis, ok, ok, let's go. On continue, on va prendre pas mal de mails, là, parce que j'ai fait n'importe quoi sur les transferts, et puis, sautille les modifications, alors attends, la largeur, 105 mètres 68, 105 par 68, Bah, on va rester comme ça, frère. Bah oui. Aujourd'hui, on a le bon terrain. On va pas changer, frère. Ouais, alors juste effectif, parce que je voudrais bien faire rentrer Michel Delgado. Donc déjà, on va le faire entrer ici. Et je voudrais voir ce que ça donne. Et je vais changer de goal aussi pour Chartier. Yes. Et donc, on va juste changer de tactique.
Chartier qui veut être un libéro. Donc Delgado qui se met bien. Réponse requise. Et on va s'occuper donc du briefing. T'as proposé 26, je crois. Ah! Bon, au pire, on flinguera là, tout ça. Et ben allez, écoutez les amis. 4-4-2. Voilà, très très bien. 4-4-2. On ne connaît pas notre adversaire, surtout. Voilà. Très bien. Ok, la chapelle de Guinchette, deuxième régional 1 sur la Bourgogne-Franche-Comté. Une ligue en dessous de nous. On n'a plus de match après. Alors. Tac. Qu'est-ce qui se passe? A beaucoup joué récemment. Ok. Ok. Pour Vincent Richard. On va effectivement le sortir. Ah bah oui, en plus je vais rentrer Boudrandi. Qui fait de jolies choses pour l'instant. Tu connais un joueur de l'équipe du Canada ou du FC Vaud? Et de toute façon, la réponse va être plutôt la même. hop. Et non, j'ai pris une équipe un peu au hasard. C'est la première fois que je joue à Football Manager, la deuxième fois que je joue en stream. Mais en tout cas, c'est ma première partie. Donc c'est vrai que j'apprends au fur et à mesure. 28 billets vendus. Et du coup, je commence à connaître un peu mon équipe. Je sais ce que je cherche là plutôt. Je chercherai des attaquants. Je chercherai à renforcer l'attaque. Donc voilà. Voilà. On a des bons attaquants, mais ils sont un peu seuls. Donc c'est un peu chaud. Tu comprends? Ok. Allez, on va vestir. Les amis, encouragez-les. Mais bien sûr qu'on les encourage. Les gars. Vous pouvez gagner votre place de titulaire aujourd'hui. Je veux qu'on soit solide en défense. Que vous méritiez que vous ayez la place dans l'équipe. Et c'est pareil pour les attaquants. Alfonso Davis. Je t'avoue que non, car je suis un gros footix. Ah là là. Terrible. Terrible. Par contre, je suis de très très loin. Le... comment ça s'appelle, mon Dieu, l'équipe de Montréal, l'Impact, je le suis de très très loin, avec Saputo, à sa tête qui est... Il y a des gens qui me le disent. Avec, voilà, le... Comment... Oh, ça, c'est bien, ça. Qui est donc le président. Et du coup, c'est assez décevant ce qu'ils font en ce moment, actuellement, en tout cas. Donc, voilà, on aimerait qu'ils fassent mieux. C'est rigolo qu'il y ait du sang alors qu'ils sont 28. Oh oui, il y a une faute. Ah, bien sûr. Allez, les gars. Putain. Allez, montrez que vous avez du caractère. Ouais, ça c'est bien. Ah oui! Hors jeu, putain. Terrible. Impact ou Bologne? Entre les deux équipes, tu veux dire? Rien à voir, quoi. Allez, les gars, montrez que vous avez du caractère. Putain, c'est bizarre qu'on ait des sons. Chelou. Mais en tout cas, ouais, je suis un peu de loin les performances de l'Impact de Montréal. En fait, je suis pas mal de mecs qui les suivent sur Twitter. Donc voilà. Montre la vitesse du match. Mais j'aime bien suivre. On va en prendre un. Oh, ça, c'est bien. Belle action défensive. Update crime. Mais si tu veux, oui, on peut monter. Voilà. Ouais, mais non. On va rester à ça. Allez, les gars. Je vais pas les encourager encore. Oh putain, ils vont marquer là. Je sens qu'ils vont marquer. Toiti, il est chaud aujourd'hui. Regardez ça, collègue comme il est bon. Regarde ça, collègue comme il est bon. Incroyable. Et là là, la barre. Incroyable cette barre.
Allez, je suis fier de vous. Pardon. Abdelkrim qui va tirer. Et c'est dedans! Putain, je suis content. Je suis content. Rachid qui met un but magnifique en coup franc. Ah, quel tireur d'élite. Bravo les gars, bravo. Félicitations. Ah non, je suis content. Impact, on fera les playoffs cette saison. Ah ouais? Tu penses, pourquoi, Thauvin? Nous, Lyon, on va faire une très bonne saison, mais pourquoi l'Impact irait jusqu'au playoff? Et du coup, pourquoi l'Impact ferait une bonne saison? Mais ah oui, oh là là, j'adore ces joueurs. En vrai, ça y est, je suis amoureux de mon équipe, les gars. Collègue qui tire. Ah, c'est dommage. On dirait Marais, ouais, grave, tout à fait, joueur algérien. Qui donne la qualification à son équipe. Je pense que l'Algérie d'ailleurs va gagner à Cannes. C'est mon point de vue pour l'instant. Je vais miser sur eux. Voilà. Allez Jordi, ça c'est bien. Barrière pour Lamourou sur Boudrandi qui fait une passe longue sur Toiti qui est tout seul. Toiti qui est tout seul et qui va tirer. Oh non, il fait la passe à Abdelkrim et c'est le but. Ah mais c'est vrai que vous avez pas les mêmes saisons que nous. Est-ce que vous en êtes où là dans la saison, Thauvin? Vous en êtes à où sur votre saison? Parce que nous, on n'a pas débuté encore. On va commencer en la semaine prochaine, il me semble, les gars. Oh putain, quand je suis content. Très bien. Allez. Abdelkrim est chaud. J'ai hâte qu'on débute vraiment la saison. Ça va être un peu fou. Mais c'est bien. Les gars sont là, c'est vrai qu'on pourrait avancer un peu la vitesse. Voilà, c'est fait. 7ème à 2 points des playoffs, ok. Allez Toiti. Oui, le 3-0. Abdelkrim, incroyable. Putain, quelle équipe de ouf. Quelle équipe incroyable, bien sûr que je félicite. Je suis content. Camilleur, entraîneur, l'homme au mille métiers. Bien sûr, nous. Bien sûr. Quand vas-tu, la forme? Et on entraîne le FC Vau-en-Velin. Très exactement. Donc c'est chouette. Et on gagne ce match 3-0. Johnny Sins à la française. Exactement. On m'appelle Edouard Parwis. Abdelkrim qui tire. Et c'est sur Toiti. Oh là là. Ah, dommage. Sortie de but, et c'est Abdelkrim encore qui a la passe 9.4. Ah, bien sûr, tu m'étonnes. Toiti qui tire sur Richard. C'est bien, les gars. Ça se défend, ça va très très bien. Écoute, c'est le troisième match de la soirée. On a fait une victoire, un match nul, et là on repart pour une victoire. Donc c'est assez chouette. On est en pleine préparation de la saison, et ça se passe bien, voilà. Donc ouais, tout va bien, merci beaucoup. Ah, quelle joie. Et je pense qu'on va bientôt passer. Abdelkrim, c'est ton meilleur. Et ben écoute, Toiti se défend pas trop mal aussi. Dans l'ensemble, on est une bonne équipe. A priori, Abdelkrim fait une belle préparation, ouais. C'est de la D4, de la D3, c'est de la Nationale 3. Donc ça fait des 5. Parce que Ligue 1. Ligue 2, National 2, National 3, ouais, c'est ça. 5e division en France. Auvergne-Rhône-Alpes, du coup, on a la chance de jouer contre des équipes comme Lyon-Duchère ou Bourgoin-Jallieu. L'Orgol est pas trop mal, hein. Fouché est pas trop mal quand même. Se défend, il a passé 3 buts, mais c'est bien. Ouais, il a pas de pression, hein. Putain, les gars. Allez, ça c'est bien. Mais ah oui, ok, ça repart. En tout cas, ça y est, je suis amoureux de cette équipe.
Je les aime. D'amour. Je les aime d'amour. C'est ouf. Et puis on va voir pour recruter. Il nous faut quand même des attaquants, hein, même s'ils sont très bons. Parce qu'ils tiendront absolument pas toute la saison. Là déjà, ils ont enchaîné tous les matchs de préparation. Et en fait, si j'arrive pas à recruter, on prendra l'équipe réserve, l'équipe jeune. On les fera monter et descendre. Et voilà. Pas de pression, les amis. Pas de pression. On mène 3-0. Donc tout va bien. Il reste calme, confiant. Ça, c'est chouette. Et sinon, sur la fin, tu réussis à faire venir la course. Et bah, pas en stream, mon gars, finalement. Bah alors, j'ai coupé le stream. Bah déjà, parce qu'on perdait des images. Attends, on va regarder les pénaltys. Toiti ! 4-0, les amis. 4-0. C'est incroyable. Incroyable. Salut PHP73. Il y a du monde ici. L'Olympique Lyonnais, Thauvin. Et donc, du coup, sur la fin 2019, j'avais une course sur laquelle je galérais en F2. Et je l'ai fini tout seul, tranquillement, en solo. Donc, ça va de mieux en mieux. J'ai bien envie de faire du Project Cars. Je pense qu'on fera ça un peu après. D'après moi. Allez, Abdelkrim. PHP 7.3. Putain, mais quel jeu de mots de merde. Moi, je me serais appelé Z3, tu vois. PHP 7.3. Ah, sa gueule dans les tribunes alors qu'ils sont 28. Ah oui, pardon. Que dire de plus? 5-0 en une mi-temps, les amis. 5-0 en une mi-temps. Oh, franchement, ça me donne plus de fois. Confiant, calme. Oh là là, l'équipe va bien. On fait le meilleur match de préparation qu'on ait pu faire. Donc on va déjà se les féliciter. Écoutez, continue sur ce rythme. Les défenseurs, la solidité de la défense est incroyable. Rémi, garde Joël Bats Verkroot. Oui, bien sûr. Tous les anciens Lyonnais, tous les anciens staffs de Lyon sont partis à Montréal. Bonjour à tous, bienvenue, merci de présent. J'ai beaucoup apprécié votre contrôle et les attaquants. J'ai adoré ce que vous avez fait, quoi. Je vous aime. Je vous aime, les gars. D'accord ? Je vous aime. Ah, vous êtes les meilleurs. On va faire un changement directement. On a tous que des très très gros joueurs. Donc voilà. On va se faire un changement directement. Histoire que ce soit fait plutôt sur un joueur qui est fatigué. Mais finalement, ça va très très bien pour tout le monde. Donc on va pas faire de changement. Écoutez. Allez. Toiti. Oh, joli tacle. Joli tacle. L'amour. Qui relève la barrière que j'aime beaucoup, que j'apprécie, mais comme tous les petits joueurs. Fouché qui relance la balle très loin et finalement sur nous. Kevin Collet, regardez cette course sur le côté droit, ça marche bien ce côté droit et ça tire sur Aubry. Richard, oh là 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 là, la Lulu. La Lulu, t'as des joueurs à l'étoile, c'est quoi ça? Franchement, j'ai des joueurs à 1000 étoiles, mon gars. J'ai des joueurs incroyables. Incroyables. Putain, non mais quelle équipe. Quelle équipe. C'est ouf. Les mecs sont chauds. Et Sylvain Richard, je trouve qu'il ressemble beaucoup à nous. putain, c'est drôle. C'est drôle. Remplacer joueur, où est-ce qu'on en est? On est sur... personne ne veut partir, personne ne veut lâcher son poste, tout le monde est bien. Donc... Continuez sur cette belle lancée. Ah putain, c'est ouf. Je suis content, les amis. Comprenez ça? Je suis très heureux. Ah, franchement... Trop bien, c'est ça le plaisir de jouer au football manager.
RPZ 6920, bien sûr, Vanvelin, ils sont là, ouais. Ouais, la famille. D5. L'autre équipe, ils sont en D6, je crois, ils sont en régional. Régional 1, ouais, donc c'est ça, D6. D6, ils sont. Putain, ils sont ouf, mes joueurs. On va faire un premier changement. On va sortir Boudrandi qui commence à fatiguer. Et effectivement, on va mettre. Luc Deslandes. Non, on va mettre Vincent Richard à sa place. Yes, qu'on va laisser en milieu axial. Merci, Eden Paradise, pour le follow. Ça fait plaisir. Après, ouais, du coup, Thomas, on est vraiment sur des choses. Enfin, on est vraiment sur des ligues très, très. Très, très basses. Hein. 7-0. 7-0. C'est leurs joueurs qui sont nuls. C'est mes joueurs qui sont bons, mon gars. Ils sont absolument incroyables. Oh, quel talent. C'est une équipe. C'est un tout. C'est un tout, les amis. Pas de pression, du coup, évidemment. On est bien. On va sortir Meowi. Pas du tout. Bon, ah, si, peut-être pour Deslandes, mais Deslandes n'est pas du tout à sa place, là. On va le mettre en milieu axial défensif. Ah non, ok, je vais faire l'attaque, mais vas-y. Vas-y, de toute façon, on s'en fout. Match de préparation, on mène 7-0. J'ai envie de vous dire, les gars. Comment je t'en fais? Allez, continuez comme ça, c'est bien. On prend pas de but, on reste tranquille. C'est chouette, comment ça, indifférent? Allez. Pam, 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 pam. Ah putain, non, je suis refait, quel match, les amis, mais quel match incroyable, de ouf, on va voir si c'est pareil sur Projectors 2 après, non, ce sera pas pareil, désenchanté, je comprends, j'ai dit que c'était qui, j'ai dit que c'était Barrière, je crois, là, il ressemble trop à nous, voilà, parlons-en, si vous le souhaitez ou pas, putain, je suis refait. El Malgastrib, ça se passe bien, quelle chorégraphie, non mais c'est ouf. 7-0 pour le FC Vanvelin face à Charpelle de Guinchet. Alors je sais pas trop où c'est, je vais pas vous mentir, l'association sportive chapeloise, je suis pas vraiment familier, mais ça a l'air bien. ça a l'air bien. Allez, dernière, non peut-être pas dernière action, attendez juste, on va faire un petit remplacement. On va plutôt remplacer derrière. Yes. Hop, arrière latéral. En défense, yes. Hop là, nickel, les amis. Oh là là, bah ouais, forcément, bon, on en prendra un, hein, c'est sûr. C'est normal. On s'en fout, en fait, on a gagné. Donc, je comprends, c'est un but tout à fait insupportable, mais tout à fait normal aussi, Arabe, qui met le but du 7-1. Le premier but pour l'association sportive chapeloise. Je comprends tout à fait. Allez, bravo les gars. Voilà, ça c'est bien. Oh, but refusé. Qu'est-ce qui se passe? Mais what the fuck? Terrible quoi. Abdelkrim qui tire sur le mur cette fois-ci. Allez, ah, il aurait dû tirer du pied gauche, les amis. Terrible performance. Non, franchement, je suis refait. Putain, les gars. Quel talent. C'est ouf. Ouais, on s'en fout. Laissez-le. De toute façon, ça c'est. On est sur la dernière action. Regardez, 92e minute, c'est fait, c'est gagné. Mesdames et messieurs, que demande le peuple? Arabe qui a fait un bon match, hein, pour son équipe finalement.
7-1, deux buts refusés. Voilà, vestiaire. Non, peut-être faut pas faire ça. Défenseur, la solidité incroyable. Votre maîtrise du terrain était folle et c'était déterminant pour la victoire. Félicitations à tous. Mais quel match, les amis, quel match. Je suis content. Putain, parfait quoi. Victoire facile, sans surprise. Sans surprise déjà. Calme-toi, frère. Calme-toi. Alors, je voudrais voir juste. Stade joueur, tac. Promesse, ouais, c'est en cours. Il est content. Quel est ton poste préféré? Alors. Projet, dispo, contrat, de bientôt pouvoir évoluer dans son poste de prédilection. Ah putain, c'est ça, c'est ça ton poste de prédilection, frère. Ah non, mais c'est parce que je m'en fous, en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Très bien. Je lis le machin, je vous parle pas. Ok, et ben. D'accord. Il veut pas de nous. Alors, prochain match, c'est dans 15 jours. Mais j'aimerais bien avoir. Il est là, mon calendrier. Alors, on a encore du match amical. Ah oui, on a un dernier match amical dans 15 jours. Ok, très bien. Et après, du coup, on passe sur le premier match de National 3. 5 remplaçants, 3 utilisables. Ouais, pourquoi Johan Fontaine non sélectionnable? Ah, il est trop jeune. Chier. Putain. Personne ne veut de moi. Alors. Ah bah écoutez. Voilà. On va lui dire donc, ça s'est mal passé quoi. A failli. Recevoir. Bonjour. Bah écoutez, pareil, je peux vous confirmer qu'on a fait une offre raisonnable, mais ça ne s'est pas fait car il n'a même pas vu négocier avec nous ce connard finalement, hein. Il faut le dire. Moi, je suis un peu pas très content. On va travailler, je pense, à l'entraînement, à la défense. On va regarder un petit peu, on va faire un peu des rapports d'équipe, tout ça. Juste vérifier. A priori, tout va bien. C'est le seul capable d'évoluer dans les buts. Et c'est le seul que j'ai pas le droit de sélectionner car il y a 15 ans. Dynamique de groupe. Ouais. Terrible. Quam, du coup, non. Montluçon. Une arrivée, d'accord. Excellent. Accord négocié pour l'EMI. 130 000 euros. Alors, on va changer le programme d'entraînement pour les prochaines semaines, effectivement. On va changer les programmes d'entraînement. Du coup, la première chose, c'est... on va parler collectif. Ok. Puis, on va travailler sur le jeu offensif. On va faire... On va travailler sur les gardiens. Puis, on fera effectivement... plutôt en défense. Entraînement de match, c'est important, effectivement. Je pense que c'est bien ça pour la semaine prochaine. Voilà. Ça, je pense que c'est bien pour la semaine prochaine.
On va peut-être retourner voir un peu au Canada ce qui se passe là chez les U19 et tout. Ça pourrait être une bonne idée. Tum, tum, tum. Ah ouais, on s'est fait éclater sur, sur le joueur canadien. On a demandé trop. Ah ouais, dans les 130 000 euros. Putain. Mais c'est vrai que ce serait rigolo qu'on ait un joueur canadien en attaque. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Boîte de réception. Estime que le niveau des joueurs de l'entraînement. Ok, je vous recommande de faire entraîner Kené au poste derrière latéral. Ouais, ok. Vendu. 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 Respect des joueurs pour votre réputation, bah ça c'est bien. Excellent. Luc Deland pourrait devenir meilleur que Michel Delgado. Vincent Richard pourrait dépasser un peu le niveau de Mounir. Ouais. Ah mais racontons n'importe quoi aussi quoi. Prends Guiri en prêt. Non mais si tu penses que je peux prendre Guiri. Vas-y, tu sais quoi, on va regarder vite fait. Hop. Tac tac tac. Amin Guiri. Alors. Faire une offre. Mais une offre de prêt. Moi je te propose qu'on prenne rien. Voilà. Et vas-y, on va faire une offre. Oui. C'est pas bête en vrai d'aller taper des joueurs en prêt. Pourquoi pas, pourquoi pas. D'ailleurs, juste on va remettre l'effectif comme de façon bien. Vincent Richard. Ouais, on va rester comme ça. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense qu'on est une équipe qui tient la route en fait. Voilà. Ah ouais, puis on a dit qu'on allait chercher au Canada vite fait. Un peu. Canada, yes. Alors. Équipe U19. Donc Vincent Amy, effectivement, ça c'est pas fait. Et moi, je veux absolument de l'attaquant. Équipe U20. Tiber 160, ouais, à Vancouver, Toronto, Pacific FC, Toronto FC 2, ouais, non, ce sera pas facile, par contre, ouais, effectivement, regardez, l'impact, hop, Montréal Impact, yeah, 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 alors, tous les joueurs, juste pour rigoler quoi. Eh, eh, c'est chaud non. Mais putain, c'est pas bête de prendre des petits joueurs en prêt. Attends, on a Guiri, on va mettre Olympique Lyonnais. Attends, Olympique Lyon, yes, voilà. Bonjour. Alors, équipe U19. Attends, en fait, je veux tous les joueurs. Où est-ce qu'il est, ce gamin? En plus, on est censé être en 2018. Ah, mais il est trop jeune, en fait. On va voir Academy, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, on va aller voir l'Impact Academy. On va aller voir. On va retourner sur l'impact après. Cacré. Ce serait ouf. Faire une offre. Offre de prêt. Faire une offre. Oui. Et effectivement, on va retourner sur l'impact. Mais c'est pas bête, tu vois, j'avais pas pensé. Alors, Impact Academy déjà. Alors, hey, à l'équipe U18. Wade Ferguson. Ah putain, je peux pas. J'ai pas le droit.
J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et moi, c'est de l'attaquant que je cherche. Ouais, il y a Marc. Broguilla, il est à Montréal en pré-jeune de l'OLB. Ouais, mais c'est ça qu'il faut que je regarde. On va se remettre sur l'impact. Wesh. Impact. Montréal Impact. Et effectivement, on pourrait regarder. Ah, j'ai pas accès à la réserve là. Réfléchissons. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va continuer. On va continuer. Putain, si on pouvait prendre des petits joueurs en prêt, c'est pas con du tout. Date importante en août. On a un match amical et ensuite on attaque la National 3. Résumé des conseils de staff. Nous n'avons pas d'adjoint U19. Ouais, mais bof. On va. Voilà ce que je souhaite. mec. 500. Griffith de l'OL. Vas-y, on va chercher. On va attendre en fait. 650, frère. 525. 625. 575. 600. Allez. Vendu. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Recruteur, pas besoin. Et vas-y, ouais. On va refaire donc une offre. Ah, l'Olympique. Olympique Lyon. Griffiths. Alors. Hop. Ah, il est blessé. Ah, cette semaine à 3 mois. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Trop blessé pour qu'on puisse le prendre. Ce qu'on va faire, les amis, je pense qu'on va faire une petite pause, courte pause. Et on recommence. Bon, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une courte pause. Et durant cette courte pause, eh ben, je vous invite évidemment à aller sur Utip.